Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau produit de Auchan, le double concentré de tomates. Poids net, 150 grammes. Tomates, 99% et du sel. Conditions d'ouverture, craint la chaleur, l'humidité. À l'ouverture, à conserver au frigidaire et à conserver rapidement. À consommer rapidement. Dommage, moi je croyais qu'on pouvait le garder un peu plus longtemps, quoi. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes, 91 kilocalories. Matière grasse, 1 gramme. 91 kg pour 100 grammes, parce que c'est beaucoup. Ouais, du sel par contre, 1 gramme, c'est bon. Protéines, glucides. Ouais. Bon, concentré de tomates. C'est pas de la sauce tomate, on voit. Je crois que c'est pour faire de la sauce tomate. On va essayer de voir. On va l'ouvrir. Comment ça se présente? Ça se présente avec une bouchée. Une espèce de plaque alu. Je pense que c'est fait pour ouvrir avec le bouchon. Bois enfoncé, le bouchon, je suppose. Allez, on va faire ça comme ça. On va prendre le bouchon et on va craser dessus. Et normalement, ça devrait s'ouvrir. On va forcer. Ouais, on force. Ah ouais, ça c'est ouvert, regardez. Il faut utiliser le bouchon, hein, astuce. Hein. Du rouge, de la sauce tomate. Pour moi, c'est pour faire de la sauce tomate. J'ai mes pâtes qui sont prêtes, qui ont été cuites. Est-ce qu'on met ça directement ou on fait cuire? On met directement ça sur les pâtes. Bon, on va essayer de partir. Concentré de tomates, ouais. Bon, moi je mets une partie. Je sais pas. Soit on va mettre directement comme ça. J'ai encore de l'eau chaude dans une casserole. Hein, chaud. Ça chauffe. Vous voyez en rouge, c'est allumé, donc c'est chaud. On va essayer de mettre dans de l'eau. De l'eau chaude, quoi. Un petit peu. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. On va goûter à sec. Attendez, je vais goûter, hein, regardez. Je vais prendre sur mon doigt et je vais goûter. Un petit peu. Quel goût ça a? C'est du concentré de tomate. Qu'est-ce que ça sent? Pas grand chose. Ah oui, le goût revient. Il faut attendre. C'est un goût de tomate, ouais. Moyen. Je referme le bouchon là. Goût, c'est ouais. Je sais pas trop ce que ça comme goût. C'est pas fulgurant quoi. Avec de l'eau chaude, est-ce que c'est mieux? Moi, ouais, je vais faire ça comme ça. Avec un petit peu d'eau chaude. Pour enlever directement. Mais je pense pas que ce soit la meilleure méthode. Moi je vais mettre chaud. Ça sent. Je vais goûter le jus là, regardez. Ouais, ça sent la tomate. Là, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Tomate, on va verser ça sur mes pâtes, mes spaghettis. Sur mes spaghettis, donc on va verser. Ouais, je pense que c'est pas mal de faire comme ça aussi. On va les remettre aussi. Ça disparaît. Mais bon. Ouais, ça permet d'aromatiser ces spaghettis. Ouais. Ouais, pour le prix, ouais, bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Je vous pourrais conseiller, ouais, c'est pas désagréable. Bon, c'est un produit. C'est pas un plat royal, mais ça suffit, ça remplace, quoi. Allez, si vous aimez mes tests, likez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour en voir plus. Bye! Bye!